Oui, qu'il en soit ainsi. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. J'ai attrapé un petit coup de froid, d'où le nez un peu rempli dû au ventilateur à bout portant en plein été, c'est assez terrible. On se retrouve aujourd'hui pour notre folle aventure exotique avec l'épisode 44, évidemment toujours sur, vous l'aurez compris, Horizon. Et je ne vous cache pas que pendant mon voyage à New York, je vous prévois le retour sur Until Dawn. Et croyez-moi que ça va être juste exceptionnel. Alors, on va regarder ceci. La plupart des on va les lire, même si on l'avait déjà fait, me semble-t-il. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna, Lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille avec moi. Et j'adore sa voix. Okay. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Allez, on est parti. Elle sait quelque chose. J'en suis sûr. Et je ferai tout pour trouver quoi. Alors, l'autre dégénéré, là, il est sûr d'être la réincarnation de Ted Pharo. C'est terrible. Je sais pas où ça va mener toute cette connerie. L'empereur ne manquera pas de vous récompenser pour tout ça. Oh, PDG. Le jeu en valait la chandelle, gouverneur. Ok, barrez-vous. Là, si chaude, je meurs. On dirait une arène, hein, presque en bas. Hein. C'est terrible. Je crois que ça mène en bas. Ok. Bon. Ted Pharo, encore. Et je rappelle que Ted Pharo était fan des pyramides, évidemment. Et on parle pas de Cortex. Mais bien d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez la ref. Quelle époque, d'ailleurs, hein. Ok. Alors ça, on a déjà, on s'en fout. Brianna m'a dit que Grégory avait accédé à des fichiers secrets et découvert quelque chose d'horrible. Ah. Ted a assassiné des gens importants qui travaillaient sur Aube Zéro. Ah. Est-ce que Ted aurait puni Grégory? Il l'aurait tué à cause de ce qu'il a trouvé? Ah. C'est impossible. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez menaçant. Ah, des statues. Les gardiens du domaine de Pharo. Aïe, aïe, aïe. Des statues. Attention! Faites sortir le PDG! À nous de jouer, je crois. Aïe, 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 les problèmes! Ok. Je ne laisse pas te toucher. Ça commence déjà très mal. Ok. Très bien. Oh là, là je crois que je suis inarrêtable. J'ai été arrêté. Je sais pas ce qui va se passer, mais let's go. Je crois que ça a eu son effet. Ça a totalement eu son effet. Oh la vache. Ok. Oh non, Bichette! Je l'avais pas vu! Ok. Let's go! Ouah, c'est une belle pierre, c'est une belle pierre! Ok, bon, plus de peur que de mal, en vrai, it's okay, guys. It's okay. On va fouiller. Bon, ça se voyait que c'était pas des statuettes. J'avais dit qu'à tout moment, ça pouvait sentir un peu le caca. Alors, attendez, on va baisser un petit peu le son.
Donc de votre côté, rien ne bouge évidemment, mais merci. Du mien, c'est terrible, j'en prends plein la gueule. Voilà, c'est bon, on est parti. Alors. Et eux, ils faisaient des commentaires, hein. Ils faisaient un let's play de là-haut, hein, ces bâtards. Hein. La gueule, hein, quand même. Hein. Assez traîné. Nous devons poursuivre. Ok. What, c'est quoi ça? Attends. Brianna ne s'est pas réveillée ce matin. Elle est morte. Comme Grigory. Je regarde le visage du géant, cette horrible statue de Ted dans le grand hall. Et ses yeux. Et... Est-ce que tu as découvert des données? Un fragment. Ok. Un témoignage du pouvoir de Ted. Alors évidemment, Aloy lui cache tout. Ok. Oh, attendez les gars, je peux fabriquer. Oh, je peux plus. Let's go. Il y a des bails là-haut. Il y a des bails ici. Je rappelle qu'on est toujours en mode difficile. Oh, c'est pas pour me la péter, mais c'est vrai que ça fait plaisir à l'ego, comme on dit. Hein. Quand j'ai construit cet endroit, quand ces systèmes particuliers ont été conçus, je savais ce que je voulais. La protection, bien sûr. Une source d'énergie illimitée, c'était la base. Mais aussi... le contrôle... sur toutes les éventualités. Après tout, on ne sait jamais ce qui va se passer. Surtout avec les composantes humaines. Qu'est-ce que tu as trouvé? Mieux vaut que tu l'ignores. Crois-moi. Ah. Tu as sûrement raison. Donc elle cache vraiment tout à tout le monde. Parce que sinon, c'est les problèmes, évidemment. Ok. On va passer par ici. Let's go. Mais qu'est-ce que c'est? Un trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Un trône inclinable. À quoi sert-il? Désolé, PDG. Je vous laisse lire, évidemment, mettez pause. Je ne sais pas. Mon focus ne peut pas lire de données. Et notre espèce est vivante. Les données lui sont-elles cachées? Ok. On avance. Oh, je t'avais pas vu, toi, Bichette. Je vous laisse lire aussi. J'essaye de lire rapidement. Évidemment, j'ai quasi rien lu. N'allez pas croire le contraire. Oh! Allez, scanne cet appareil, veux-tu? Oh! Bonsoir. T'as fait ça pour lui? T'as mis un bouton off dans le crâne de tout le monde? Gagna, ne me juge pas trop vite. Je t'en prie, je n'avais pas le choix. Scanne cet appareil. Si j'avais dit non, qu'est-ce qu'il nous aurait fait? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Tu es ma petite fille. J'essayais de te sauver la vie. Pourquoi, papa? Hein? Pourquoi? Pour qu'on reste tous piégés dans ce cauchemar sous terre? Dis-moi ce que te révèle ton focus à propos de cet appareil. Okay. Tu sais ce qu'on a à faire. Je t'en prie. Tu as trouvé un enregistrement, Aloy? Oui. Mineure au régime de thérapie génique. Donc en fait, ils mettaient des petites puces qui permettaient de tuer la personne s'il appuyait sur une touche. Donc si tu contredisais Ted Farrow, hein, c'est pour dire que la personne était un véritable psychopathe. Le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ça n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon, si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok, ou si mes collègues étaient là, ou juste ma réserve d'alcool. Arrête, il faut rester optimiste pour Kanya. Ok. Tu as vu quelque chose? Je le sais. Les données expliquent-elles comment Farrow se servait de cet appareil? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon?
Il pourrait être encore en vie ? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous, pour les Quen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais, peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Farrow. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. Ces secrets attendent. Ok. Je sens que cet homme va devoir mourir très rapidement. C'est un petit bureau. Pour un gratte-papier, peut-être ? Oh là là, la gueule, putain. Ok, laissez-moi passer les bibiches. Tiens, ça, on prend. Ok, pas mal de choses à lire. Une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir. Ok. Je vous laisse lire ça, et après on va relire l'audio. J'ai coupé en faisant une cascade. Une centrale géothermique automatique juste en dessous de la ville de San Francisco. Une merveille. Je peux la faire fonctionner. Mais je dois l'admettre, j'ai toujours été davantage un visionnaire que... Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Ok... Ah, c'est une sorte d'aération. Bonne idée. Vite ! Enfoncez-la ! Attends, de quoi on parle là, les gars, là ? Je comprends pas. Elle a pu atteindre l'autre côté. Ok. On va tout fouiller. Très bien. Attends, on va se régaler, là, hein. Allez! Là, l'autorisation Omega. Je l'ai. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Ted? Sanctov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Et ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille, pour l'amour du ciel. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils m'ont remercié. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz. Et de ses enfants. Le jour où ils viendront et... je serai là pour les accueillir. Son putain disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Du temps. Et de l'énergie. Sanctov dit que le réacteur peut me fournir de quoi trouver mes forces. Pour me remettre sur pied. Et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. Il est encore vivant, là ? De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Farrow sont-ils ici ?
Non, pas ceux que tu recherches. Alors, ils sont forcément là-dedans. Crois-moi, il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle, alliée ? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant ! Oui, enfin, l'héritage de Tête Pharaon est à moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est lui. Brûlez tout, tout de suite! Attends, non! Pharo a fait en sorte que ça fonde si. Je l'ai aussi. Pas de témoin. Certains sera distant. Ah! Ok, alors, on va essayer de se concentrer. Le seul point faible. Ah oui, d'accord. Ah, je savais pas qu'il pouvait faire ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ok, c'est pas grave. On est reparti. Je pensais pas qu'il pouvait faire une prise, en fait, me mettre à terre et me one-shot. Mais why not? Ah ouais, c'est redoutable, hein. Merdier. Mais c'est pas vrai! Oh merde, toi t'es ma pote. Oh, oh là là! Mais c'est quoi ces délires? Ok, j'ai vu qu'on pouvait descendre. Allez, on est reparti! Putain, c'est terrible! Beaucoup trop fort! On voit que dalle, putain. Couvre-moi, premier balle! What the fuck? Oh, ça va être chiant. Ça va être très très chiant, je vous le dis. Ok, on est reparti. Allez. Mamma mia! Ok. Ça peut être pas mal. Lui il est mort, le Klebs. Très bien. Oh. C'est terrible hein, ce qui se passe. Quoi?
là, les gars. Toujours plus. C'est chiant, c'est long. Ok, ça, ça peut servir à quelque chose. Ce sont des humains. Ok, si je fais ça. Superbe. Bravo, à piéger le réacteur pour qu'il surchauffe s'il meurt. Il faut... Oh non, c'est une blague. Oh, je vais briller, c'est la lave. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je vais vriller. Je vais vriller. Oh non, le chat. C'est bon. Oh la vache, c'est bon, c'est bon. Plus de peur que de mal. Ok. On va aller prendre des ressources. Très bien. On prend. Allez, bichette, go. Très bien. Très bien. Ok. Non mais d'où tu fais ça toi? Mais moi je peux pas le faire. Oh il meurt. Oh il meurt miskin. Non. Oh la lave c'est redoutable. J'aurais dû savoir avec tout ce qu'il y avait au sol. J'aurais dû pas y toucher, putain. Mais elle jette dans la lave, cette boubourse, hein. Oh, j'aurais dû savoir, bordel. Non, ouais, mais respire quand même. Ouais, bibiche. Ça, je peux rien y faire. On se casse. Ok, on va là. Ok, let's go. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Hop, on va sauter par ici. Hop, annihilé. Parfait. Merci, monsieur. Ok. Mort. Merci, monsieur. Quel bordel, quel bordel! Mais pourquoi on est venu là? Ça nous a rien rapporté! Mis à part que ça nous consolide dans le fait que Ted Faro soit un énorme chien! Ah! Vite, votre Altesse! Allez! Lâche-moi! Oh, quel bâtard! Du rêve retour à la réalité. Alors, donc le mec c'était Ted Faro. Putain, mais j'aurais kiffé voir à quoi il ressemble ce chien. Pour avoir vécu autant de milliers d'années. Ok, il faut aller où là? Les bibiches.
là. Ah, que j'ai. Superbe. Oh putain, ça s'arrête pas. Les soldats, au-dessus de nous. On va essayer d'esquiver. Oh, j'ai plus de son, les gars. C'est bon. Ok. Vache. Balance. Quoi, quoi? Hop, un petit coup critique des familles. Ok. Attention d'être dans un combat de Mortal Kombat. Très bien. Très bien. Plus de baie, ça c'est dommage. On a eu chaud. Non. Ok. Ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Ça ne s'arrêtera jamais. Allez les gars là, let's go. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé quelque chose d'utile. Pas seulement pour ton peuple, mais pour tout le monde. Mais où est le PDG? Il est mort. On peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi ? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité, alors. Tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais simplement à ces soldats d'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche. Mais on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser. S'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux me laisser passer et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait alors que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous, alors bien sûr il est temps de rejoindre la flotte. Alva, j'attends de tes rapports qu'ils soient détaillés. Oh, j'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Varl, j'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au ferry des Quen et la ramener à la base. J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Varl te donnera un meilleur focus et toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible.
Une devineresse doit suivre la vérité, où que ça la mène. On se rejoint là-bas. Où est-ce que je vais trouver les pièces qu'il me manque? Je vais devoir fouiller d'autres sites. Bon, bah écoutez, Ted Faro était un connard, voilà, excusez-moi des termes, mais bon, faut le dire. Retournez à la base et on est parti pour la suite de nos aventures. On a gagné de la santé, on a gagné des points de compétence. On va se laisser ici. On ira à une réserve lors du prochain épisode et on va tout fouiller, évidemment. On va se régaler. Hop ! Rassure-moi, dis-moi que t'as du... Oh là là, je sais pas s'il est possible d'avoir du violet sur eux. C'est assez terrible. Et puis, on verra un petit peu... Si on a de quoi faire quelques petites, pourquoi pas, modifs. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bisous tout le monde, bye bye.